Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 51e meet-up. J'espère que on m'entend bien. Merci en tout cas d'être là pour ce meet-up. Et alors, je vais commencer par une petite introduction avant de laisser la place à nos speakers. Donc déjà, pour certains, vous êtes sur YouTube, pour d'autres, vous êtes sur Twitch puisqu'on vient de créer notre chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que on commence déjà à avoir quelques petites vidéos. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez regarder quelques talks techniques. Et puis en plus, vous serez averti des streams à venir. Voilà. On est toujours à la recherche de nouveaux talks. Donc si vous avez par exemple traité quelque chose d'un petit peu compliqué dans votre entreprise et que vous pensez que ça pourrait être intéressant de faire un retour d'expérience, ou si ce week-end vous vous êtes amusé, je ne sais pas, sur un Raspberry à faire tourner un petit programme en JS, pour faire un robot ou je ne sais quoi, ou développer un jeu, n'hésitez pas à nous proposer des talks. Donc vous pouvez très bien venir même nous en parler directement en envoyant un message sur Twitter ou sur notre Slack. On sera ravis d'échanger avec vous si vous avez des doutes sur votre sujet et on pourra vous aider. Alors, comment ça se passe pour ce soir? Alors, ceux qui ont déjà vu les deux meet-ups précédents qui étaient aussi en ligne, on a Open Feedback qui va servir à donner des retours aux speakers par rapport à leur talk pour les aider à s'améliorer ou même leur dire que vous avez trouvé ça super cool. Ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas. On vous rappellera dans les différents chats les liens pour aller voter après les talks. Mais vous pouvez déjà aller faire un petit tour sur la plateforme. Et donc ce soir, on accueille d'abord Stéphane Alnet qui va nous parler de WebRTC, donc qui est une technologie qui va permettre de communiquer en fait dans le navigateur en peer-to-peer. Donc il y a plein de possibilités. Je sais qu'il y a il y a des réseaux sociaux qui fonctionnent avec WebRTC ou choses comme ça. Et Stéphane va venir nous en parler. Et nous avons Alexandre Quentin qui parlera dans un second temps de Svelte. Donc Svelte, je pense qu'il y a pas mal de gens, en tout cas si vous suivez un petit peu les actus front, qui ont vu passer ça. Ça fait déjà un certain temps que ça existe, mais là, il revient un petit peu en force. Donc Alexandre, il va nous en parler pour nous dire est-ce que c'est une alternative face aux grands frameworks qui sont actuellement sur le devant de la scène. Voilà. Et donc, je vais laisser la place à Stéphane. Merci à tous. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Année, je vais vous parler ce soir de WebRTC et plus particulièrement de comment on déploie WebRTC, parce que c'est une technologie qui est implémentée dans la plupart du temps dans le navigateur, mais il y a aussi tout un aspect réseau, tout un aspect serveur qui est important derrière. D'abord un petit mot à propos de moi, je m'appelle Stéphane Année, je travaille pour Zenica à Brest. Donc, j'aurais bien voulu venir sur Nantes pour voir l'éléphant et puis me promener tout ce week-end, mais bon, on fera ça une autre fois. Et pour l'instant, je travaille essentiellement sur des technologies qui sont du back, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de JavaScript par le front, je suis quelqu'un qui est venu à JavaScript par le back. Donc, je fais essentiellement du Node.js. J'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans les télécoms. À faire du logiciel libre qui était autour de tout ce qui est télécommunication SIP, donc la téléphonie, mais pour les opérateurs, pas pour les entreprises. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce que je fais, je suis sur GitLab, GitHub, et mon handle, c'est Shimaoré. Voilà, donc ce soir, on va parler WebRTC, donc je vais vous présenter un petit peu WebRTC. Je pense que ceux d'entre vous qui sont intéressés par la techno vont sans doute savoir tout ce que je vais raconter dans la première partie. Et donc, on va faire un petit peu le tour de la technologie, de ses composants, de ce qu'elle apporte. Et surtout, moi, la partie sur laquelle je vais vraiment insister, c'est la partie déploiement. C'est WebRTC, ça fonctionne dans le navigateur, mais en fait, pour que ça fonctionne bien quand vous le déployez, il y a tout un aspect
pas nécessairement back-end, mais vraiment un aspect réseau qui doit être implémenté proprement. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans la deuxième partie. Voilà. Donc WebRTC en lui-même, ce n'est pas une technologie qui est extrêmement récente, c'est une technologie qui a une dizaine d'années. C'est une technologie qui a été créée effectivement pour permettre de la communication de pair à pair entre navigateurs à l'origine, donc de la communication qui va d'un navigateur A à un navigateur B sans nécessairement passer par un serveur. Donc l'idée de WebRTC, c'était ça. Le RTC, c'est pour Real-Time Communication, donc communication en temps réel. Et donc, en fait, dans WebRTC, il y a deux composants. Il y a un composant qui est composant Media Capture, donc qui permet de capturer de l'audio, de la vidéo ou une application, aussi, donc faire de la capture d'écran sur un PC à partir du navigateur. Et il y a un composant peer-to-peer. Donc, le composant Media Capture, c'est ce qui va permettre d'obtenir les informations, les flux vidéo, les flux audio qui viennent des caméras, des microphones, des PC dans le navigateur. Et ça permet aussi, il y a tout un composant dans la partie Media Capture qui est sur la capture d'écran. Donc, les applications qui permettent de faire du partage d'écran ou du partage de fenêtres. Et bon, je pense que vous avez tous déjà utilisé ce genre d'application. C'est Google Meet, c'est Facebook Messenger. C'est la plupart des outils que vous utilisez aujourd'hui et que vous avez dû utiliser pendant le confinement pour faire de la vidéo, du travail à distance. La plupart de ces outils-là vont utiliser derrière, à partir du moment où ils sont dans le navigateur, WebRTC. Alors, comment ça se présente à l'intérieur quand on parle un petit peu au niveau JavaScript dans le code? Il y a un objet qui s'appelle Media Devices qui a été ajouté à WebRTC, qui a été ajouté donc dans l'objet Navigator quand WebRTC a été créé. Cet objet Media Devices contient deux méthodes qu'on utilise pour récupérer les flux médias. Il y en a un qui s'appelle GetUserMedia, c'est celui qui sert à obtenir les flux caméra et microphone. Et il y en a un qui s'appelle GetDisplayMedia, et c'est lui qui permet de récupérer les flux qui correspondent à de la capture d'écran. Donc on va s'intéresser essentiellement ici à GetUserMedia, mais si vous deviez faire de la transmission d'applications en utilisant WebRTC, c'est à peu près la même chose. Donc là, je montre que bon, GetUserMedia, on va lui passer des contraintes. Donc je vous explique un petit peu juste après ce que c'est. Et en GetUserMedia, donc elle retourne une promise qui va nous retourner, une fois qu'elle aura été complétée, un local stream, donc un stream local qui lui contient en fait la vidéo, l'audio, etc. Donc les descriptions qui correspondent à ça. Sur ce stream local, il peut y avoir une ou plusieurs pistes. Donc il y a une fonction qui s'appelle GetTrack, une méthode GetTrack, qui permet de récupérer les informations sur les pistes individuelles qui composent ce flux. Donc, par exemple, dans les contraintes, pour en revenir aux contraintes, on peut dire je veux uniquement le flux audio. Si ce que vous voulez faire, c'est uniquement de l'audioconférence, par exemple, vous allez juste dire j'ai juste besoin de l'audio, je n'ai pas besoin de la vidéo. Et dans ce cas-là, par exemple, GetTrack retournera un seul objet, ce sera la piste audio. Si dans les contraintes, par contre, vous avez dit je veux de l'audio et de la vidéo, GetTrack, a priori, va vous retourner deux pistes. Il y aura une piste audio et une piste vidéo. Donc, ça, c'est relativement simple. C'est ce qui permet de récupérer un flux local au navigateur et d'être capable après de le manipuler. Typiquement, après, si on veut être capable de jouer ce flux-là, donc par exemple, vous branchez votre caméra, vous démarrez le navigateur et vous voulez voir à quoi ça ressemble en local, il suffit de créer un tag vidéo, donc un objet DOM vidéo. Alors là, j'ai mis quelques paramètres qui étaient autoplay, play inline, qui permettent de lancer automatiquement la vidéo, de dire que ça va se jouer à l'intérieur de l'objet vidéo. Et un troisième attribut qui est controls égale false. Quand on fait du temps réel, on n'a pas besoin d'avoir les boutons pour revenir au début du flux, etc., parce qu'ils ne fonctionneront pas. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir les objets qui correspondent à ça. Et donc, vous vous souvenez que dans la slide d'avant, on a vu comment récupérer le stream local avec GetUserMedia pour que cet objet DOM vidéo reçoive ce flux et l'affiche dans le navigateur. Il suffit de dire vidéo.insercer-object égale le flux que vous avez récupéré dans la slide d'avant. Ça, c'est relativement simple. Si vous faites ça, c'est quelque chose qu'on peut même tester dans un navigateur assez facilement, juste avec quelques lignes de JavaScript. Vous êtes capable de démarrer votre caméra. Vous allez avoir, comme vous avez déjà vu, les autorisations qui vont se lancer. Est-ce que le navigateur a le droit d'accéder à la caméra? Est-ce qu'il a le droit d'accéder au micro? Et puis, vous verrez la vidéo et l'audio qui se reflèteront dans le navigateur. Voilà.
ça, c'était la partie Media Capture. C'est relativement simple jusque-là. On prend un flux audio-vidéo et puis on est capable de jouer. La partie où ça devient intéressant, c'est la deuxième partie de WebRTC, c'est réellement être capable de faire du pair-à-pair, du peer-to-peer. Et cette partie-là, en fait, elle fonctionne non seulement avec la partie Media Capture qu'on vient juste de voir, donc qui permet de faire de la transmission audio, vidéo ou de la capture d'écran, elle fonctionne aussi avec une partie data. Donc, on est capable de faire de la transmission data de pair à pair sans passer par un serveur. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un nouvel objet qui a été rajouté dans le JavaScript du navigateur qui s'appelle RTC Peer Connection, nouvelle classe. Donc, on va créer une nouvelle instance de cette classe, New RTC Peer Connection, et on va lui passer en paramètres, en particulier une liste de serveurs. Et ça, je reviendrai là-dessus beaucoup plus en détail plus tard. C'est les serveurs ICE, ICE Servers. Et donc ça, c'est les paramètres du RTC Peer Connection. On reviendra là-dessus pour l'instant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que donc on va récupérer un nouvel objet Peer Connection. Et c'est cet objet-là qui va nous permettre d'établir les connexions de pair à pair entre deux navigateurs. On va prendre un exemple d'un navigateur A qui va démarrer la transmission et d'un navigateur B qui va recevoir la transmission. Donc je vais avoir deux objets Peer Connection, un sur navigateur A, un sur navigateur B. Alors, comment est-ce qu'on démarre la communication entre les deux navigateurs? Du côté navigateur A, sur le peer connection, il va y avoir une méthode qui s'appelle createOffer, qui va permettre de créer ce qu'on appelle une invitation en SIP en particulier, mais qui correspond exactement au concept d'offre qu'on a en WebRTC. Et donc, à partir de là, cette offre, alors il va se passer deux choses. On va l'utiliser en local et on va la transmettre à l'autre navigateur. Donc, on est sur le navigateur A, on vient de créer notre offre. On va l'utiliser en local parce que, tout simplement, il faut qu'on soit capable de s'y référer au moment où il va falloir ajouter des flux sur cette offre. Donc, ça, c'est la première partie que vous voyez sur la slide en bas. Donc, on a créé l'offre en haut et en bas, on dit que la description locale, cette local description, c'est l'offre qu'on vient de créer juste avant. Ce que ça va faire, il y a deux parties différentes. Donc la première partie, c'est que l'offre, il va effectivement déjà falloir qu'on la transmette au navigateur B, et on verra sur la slide d'après à quoi elle sert. La deuxième partie, c'est qu'au moment où on va faire le set local description sur le navigateur A, l'objet PCA va commencer à émettre, c'est un event emitter au sens JavaScript, il va commencer à émettre des événements ICE candidate. Et ces événements ICE candidate, il va aussi falloir qu'on les transmette de l'autre côté, navigateur B, parce que ce sont ces informations-là, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, qui permettent aussi de s'assurer qu'on est capable de gérer le transfert de flux correctement. Donc, au démarrage, sur le navigateur A, on appelle deux méthodes différentes, create offer set local description, et on a deux types de messages à transmettre au navigateur B, le message avec l'offre et le message avec le ICE candidate. Ça, c'était côté navigateur A. On va se passer maintenant côté navigateur B. Donc, côté navigateur B, on a reçu le message offer. Et donc, on va, au lieu de faire un set local description, qui correspondrait à dire, ça, c'est ce qui correspond à notre flux local, on va mettre un set remote description. Donc, on a reçu l'offre du navigateur A et on va dire, c'est la description du flux distant. Et de l'autre côté, donc, on est toujours sur le navigateur B. On va maintenant, on a eu l'offre qui est arrivé du navigateur A, il va falloir qu'on envoie une réponse. Donc, on va utiliser la méthode createAnswer, qui donc va nous donner un objet qu'on va de nouveau, cette fois-ci, transmettre au navigateur A. On a eu l'offre qui est passée de A à B, et on va avoir la réponse answer, qui va passer de B à A dans l'autre sens. Et puis, pareil, tout à l'heure, vous vous souvenez, sur la slide juste avant, on avait dit sur le navigateur A, il fallait qu'on fasse un set local description de l'offre. Sur le navigateur B, on fait un set local description de la réponse qu'on vient juste de créer. Et pareil, le navigateur B, à partir de ce moment-là, l'objet PCB va commencer à émettre des événements ICE candidate. Il faudra qu'on envoie aussi au navigateur A, comme on l'avait fait sur la slide précédente. Et puis, le navigateur A va éventuellement recevoir la réponse qu'on a créée avant. Et de la même façon que le navigateur B, avec l'offre, avait fait un set remote description, le navigateur A, avec la réponse, va faire un set remote description. Donc, le flux, il est relativement simple. Il y a un flux. Donc, on crée une offre sur le navigateur A, on l'envoie au navigateur B, on utilise cette offre comme local description sur le navigateur A, et on a un flux dans l'autre sens du navigateur B vers le navigateur A où on a la réponse, on l'utilise comme local description sur le navigateur B, et les remote descriptions sont dans l'autre sens.
Voilà. Donc ça, ce sont les flux en eux-mêmes. À l'intérieur, si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on était sur la description des local streams, je vous avais parlé des tracks, get local tracks, et je vous avais dit, on peut avoir une piste audio, une piste vidéo, on peut avoir une piste pour une fenêtre qu'on veut afficher, etc. Et donc, il faut qu'on fasse le lien entre les flux qu'on vient de créer avec l'offre et la réponse, et évidemment les tracks qu'on veut émettre. C'est pas parce que, par exemple, dans mon média capture, j'ai demandé à avoir l'audio et la vidéo que je vais transmettre les deux. Je peux très bien vouloir transmettre que la vidéo, par exemple. Donc, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on lie le peer connection avec la piste qu'on veut transmettre ou les pistes qu'on veut transmettre. On utilise pour ça la méthode addTrack du peer connection. Donc, par exemple, si j'ai deux tracks, je vais utiliser la méthode getTrack sur mon flux local pour récupérer la piste audio, la piste vidéo. Et ensuite, je ferai un addTrack sur la piste audio et un addTrack sur la piste vidéo pour transmettre les deux sur le peer connection. Voilà, donc ça, c'est relativement simple. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les tracks qui sont, les pistes qui sont distantes, parce qu'on ne va pas les recevoir tout de suite au moment où on crée l'objet. Pour les pistes distantes, il va falloir qu'on mette un SRC object sur l'objet DOM vidéo, mais on n'a pas encore les pistes, on ne peut pas les énumérer puisqu'on n'a pas encore reçu l'offre distante. Et donc, la réponse distante. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée juste un objet media stream qui est vide, il n'a pas de piste en fait, et on l'attribue à l'attribut SRC object de l'objet vidéo. Dans ce cas-là, pour l'instant, l'objet DOM ne va rien afficher parce qu'il n'y a rien affiché. Et par contre, quand on va recevoir donc le peer connection, quand il va recevoir l'offre et la demande, lui, par contre, il va aussi mettre un event local qui va être l'événement track. Et cette fois-là, on pourra faire le track sur le flux qui correspond à l'objet distant. Donc, vous imaginez très bien que dans ce cas-là, ce que vous avez dans votre navigateur, c'est un objet DOM vidéo qui correspond à votre flux local, c'est celui qu'on a créé tout au début de la présentation. Vous avez un deuxième objet vidéo qui correspond à votre flux distant. Le flux local, c'est relativement simple de trouver où sont les pistes. Le flux distant, il faut attendre un petit peu. Effectivement, il faut attendre ces événements track qui vont permettre d'ajouter la piste audio, la piste vidéo. Si jamais il y a une piste de présentation, ça se fera aussi comme ça. Voilà. Donc là, dans WebRTC, on est capable de prendre un flux audio, vidéo ou un flux d'application qui est local. On est capable de l'afficher. On est capable d'échanger entre deux navigateurs pour qu'ils puissent recevoir les informations qui concernent les flux distants et qu'ils puissent se les transmettre entre eux et qu'ils puissent les afficher sur l'autre navigateur. Donc, on sait faire tout seul. En gros, on sait faire ce que vous faites aujourd'hui dans Google Hangout ou Google Meet ou des choses comme ça. Voilà. Ça, c'était la partie audio, vidéo, média capture, tout ça. Je vais parler vite fait de la partie data parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. On utilise toujours le principe d'offre et de la demande. Par contre, on n'a pas toutes les astuces avec les tracks qu'il faut ajouter, etc. Parce qu'il n'y a pas de piste, évidemment. Dans ce cas-là, ce qu'on crée, c'est ce qu'on appelle des data channels. Donc, il y a une méthode create data channels sur le peer connection, sur laquelle on va juste lui mettre un nom qui est une étiquette, en fait. Et on va créer un canal de communication et on lui donne un nom. Il faut que ça soit le même nom sur les deux navigateurs, sinon ça marche pas bien. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. À partir du moment où on a fait le PC data, create data channel et qu'on a fait toute la gymnastique d'offres et de demandes, d'offres et de réponses que je vous ai présentées avant, on a quelque chose qui fonctionne, on est capable de faire des échanges de données entre deux navigateurs. Dans ce cas-là, on va avoir des événements sur le peer connection qui vont plutôt être du genre open, close. Si vous avez déjà utilisé du WebSocket, c'est exactement le même genre de comportement. On a aussi évidemment des événements qui sont du type message, qui correspondent aux dates données qui sont échangées. Et inversement, de l'autre côté, si on veut envoyer un message, on va avoir une méthode sur le peer connection qui s'appelle send, qui permet d'envoyer un message à l'autre navigateur. Voilà. Donc là, on sait faire du WebRTC de bout en bout. On sait faire de la vidéo, on sait faire de l'audio, on sait faire du partage d'écran, on sait faire de l'envoi de données. C'est tous les types d'échanges qui sont possibles à remplir tout pair avec WebRTC. Voilà. Bon, je vous ai parlé d'offres et de demandes. Et en fait, c'est un peu là que les choses deviennent un chouille compliqué. C'est simple jusqu'à présent, en fait. Et l'offre et la demande, ça utilise un format qui s'appelle SDP. Alors SDP, c'est un vieux, vieux machin. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de SDP, c'était quand on était sur le réseau Renater en IPv4 à la fin des années 90.
et qu'il faisait des annonces de sessions multicast de vidéos. Donc, c'est vraiment un vieux protocole en fait, qui n'a pas tellement évolué que ça, mais qui permet effectivement de faire de la description de sessions. Donc, à l'origine, c'était des sessions, quand on fait du multicast, c'est des sessions qui sont dans un seul sens. Là, on est capable de l'utiliser pour faire de la description de sessions dans les deux sens. Donc, à quoi ça ressemble, SDP? C'est comme la plupart des protocoles IETF, c'est du texte. Je pense que vous ne voyez pas nécessairement grand-chose sur la slide, mais c'est un peu l'idée. Ça fournit beaucoup d'informations en très peu de place et ça vraiment vous fournit c'est difficile à parser quand vous voyez comme ça. Ce qu'il faut voir c'est qu'en fait il y a des informations ici qui sont au niveau de la session en elle-même, parce que c'est le protocole de description de session, mais il y a aussi des informations qui sont au niveau des pistes. Donc quand je vous parlais de tracks tout à l'heure, SDP va être capable de transmettre des informations qui concernent la session et des informations qui concernent les pistes. Ce qu'on voit, par exemple, si vous regardez au milieu de ma slide, il y a une X qui dit M égale application. Donc ça va décrire quel est le type de média. M est pour média. Donc la lettre qui est tout à gauche décrit le type de ligne que c'est. Donc là, c'est, si vous regardez, ça va être port. Bon, ça c'est le numéro d'application. Ensuite, ça va être sur UDP, DTLS, HTTP. Et vous voyez que ça dit c'est WebRTC Data Channel. Donc en fait, le SDP que je vous montre là correspond à une session data en fait. Relativement simple, c'est un data channel comme ceux que je vous ai présentés en dernier. Sur la ligne d'en dessous, vous voyez IN, donc Internet, IPv4, il y a l'adresse IP locale. En dessous, il y a quatre lignes qui parlent de candidats. On va revenir là-dessus quand je vous parlerai d'ICE. Et vous voyez qu'il y a des adresses IP, des numéros de port, que ça parle d'UDP, TCP, etc. Donc, SDP vous fournit plein d'informations sur le flux dans son ensemble et sur les différentes pistes qui vont être à l'intérieur. Et bon, c'est un protocole relativement standard qui est utilisé par WebRTC, qui est utilisé aussi par les protocoles d'annonce locale de flux qu'il y a dans pas UPnP mais DLNA. C'est aussi quelque chose qui est utilisé par SIP évidemment pour tout ce qui est échange multimédia sur Internet. Voilà. De façon assez évidente, tout ce que je vous ai montré, vous n'allez pas le coder à la main à chaque fois. Il y a des API qui existent pour vous permettre de faire ça de façon relativement simple. Il y a Simple Peer, il y a aussi PeerJS. Alors PeerJS, c'est assez intéressant parce que c'est une librairie qui fonctionne sur le front et ils proposent aussi un serveur donc qui permet d'établir les communications. On va revenir là-dessus. Et un truc intéressant, alors un truc qui m'a toujours branché, c'est la partie data. Je suis aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de CouchDB et donc les échanges entre bases de données maître-maître en OSQL, c'est quelque chose qui pour moi est relativement évident. Alors il y a des gens qui se sont amusés à faire ça sur WebRTC, c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez très bien faire du partage de bases de données en pair à pair sur du WebRTC, donc sans serveur en fait. Ça fonctionne très bien. Il y a un projet qui s'appelle PeerPooch. Qui permet de faire donc du PoochDB sur WebRTC, ce genre de trucs qui sont assez rigolos, mais c'est encore entièrement en mode déconnecté en fait, en pair à pair. Donc ça fonctionne en mode déconnecté parce que PoochDB est une base de données qui est dans le navigateur, et ça fonctionne en mode connecté pour faire de la réplication de navigateur à navigateur sur WebRTC. Des petits trucs rigolos intéressants qu'on peut faire avec WebRTC. Voilà. Donc jusque là c'était facile. On a parlé WebRTC, c'est la partie facile, je vous ai montré un petit peu comment ça s'utilise, à quoi ça ressemble quand on soulève un peu le capot et qu'on regarde ce que fait SDP. La partie sur laquelle je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est la partie déploiement, parce que dans le navigateur, on maîtrise à peu près, la partie sur le réseau, c'est pas nécessairement aussi simple. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ai un peu triché dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai fait la présentation, je vous ai dit A envoie l'offre à B, B envoie la réponse à A, puis il y a des ICE candidates qui passent de l'un à l'autre et c'est un peu magique. Pour les gens qui font de la télécommunication, pour les gens qui font de la téléphonie ou des choses comme ça depuis très longtemps, on sait comment ça s'appelle de la signalisation et on sait que c'est la partie la plus difficile en fait. C'est pas la partie que je vous ai montrée avec SDP et les media channels, on va revenir dessus, il y a des petits challenges sur Internet, mais la partie signalisation en fait c'est la partie la plus difficile à établir. Le gros problème, c'est que WebRTC vous fournit le média, il vous permet tout, vous pouvez faire de l'audio, de la vidéo, des machins super chouettes, il ne vous fournit pas la signalisation, c'est à vous de la fournir. Donc toute la difficulté, elle est là.
signalisation en particulier, ça fait quoi? Ça fait deux choses importantes. La première partie, c'est ce qu'on appelle la fonction de registrar, c'est-à-dire c'est la fonction qui vous permet de trouver les autres. Je vous ai dit, navigateur A, il envoie les infos à navigateur B. C'est bien sympa, mais comment est-ce qu'on fait joindre le navigateur B? Donc, le registrar sait faire ça. C'est son boulot. Donc, il y a toute une fonction de registrar qui doit être mise en place pour que ça fonctionne correctement. Et puis, il y a une autre partie de la signalisation qui est l'offre et la réponse. Il faut bien qu'elles transmettent d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, vous n'avez pas encore de channel WebRTC, data, si vous avez établi ou quoi que ce soit pour fichier. Il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui fasse ce truc-là pour vous. Donc, il y a toute une fonction de session setup qui existe aussi et qui est importante, qui est donc l'établissement de la session qui passe en particulier au niveau de WebRTC par la transmission de l'offre, de la réponse et de tous les candidats, ICE candidates dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça? De façon classique, on peut utiliser du WebSocket, du Socket.io pour le faire. Je vous parlais de PeerJS, donc PeerJS aussi vous offre une solution relativement simple pour faire ça. Quand on préparait la présentation, Alexandre m'a dit que lui avait vu une présentation avec quelqu'un qui avait fait la signalisation, l'établissement de la session en fait, en utilisant des ultrasons entre deux PC. Il y a plein de façons de le faire. La partie importante, c'est il faut que l'offre, la réponse et les IC candidates arrivent à passer d'un navigateur à l'autre avant que la communication peer-to-peer soit établie. Voilà. Ça, c'était la partie facile. Et en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être faites et d'autres choses que vous avez peut-être déjà plus ou moins vues en fait, parce que Google Meet en particulier, c'est ces choses-là. Google Meet, par exemple, n'est pas du vrai pair-à-pair. En fait, votre navigateur, quand vous faites du Google Meet, par exemple, il ne parle pas directement aux autres navigateurs. Il passe nécessairement par un serveur Google, même pour la partie média. C'est ce qui leur permet en particulier de faire toute la liaison où vous pouvez, par exemple, vous connecter avec votre téléphone au milieu de la connexion, au milieu de la session, sinon ils ne pourraient pas faire ça. Donc, en fait, on peut déployer au-delà du web, on peut déployer au-delà du pair-à-pair et donc des applications sur les mobiles. Donc, en particulier, un truc qui est intéressant, qui a été développé il y a quelques années, c'est une interface pour le protocole SIP. Donc, SIP, c'est Session Initiation Protocol. Je vous ai déjà parlé de session beaucoup, donc ça, vous voyez comme vous commencez à voir à peu près à quoi ça correspond. SIP, c'est un protocole qui est utilisé aujourd'hui pour tout ce qui est téléphonie sur Internet, téléphonie ou même vidéo sur Internet par les opérateurs et en entreprise. Donc, si vous avez un téléphone IP quelque part à la maison ou quelque part sur votre lieu de travail, aujourd'hui, il utilise nécessairement SIP. Donc SIP est un protocole qui normalement fonctionne directement sur UDP ou sur TLS, mais il y a une version de SIP qui a été écrite pour fonctionner sur WebSocket, donc c'est RFC 7118, et donc SIP sur WebSocket, en fait, ça permet d'établir donc une session SIP directement entre un navigateur, donc en utilisant les technologies WebRTC, et de l'autre côté, un système de téléphonie classique, donc qui lui saura interpréter les messages SIP, comme si c'était un téléphone sur IP ou un opérateur qui lui fournissait des informations. Il y a deux stacks qui existent pour le front-end. Il y a jsip.net, donc qui est la première qui a existé, qui était la toute première, qui est encore développée, encore active. Et il y en a une autre qui s'appelle sipjs.com, donc qui est un peu hérité, qui a une approche légèrement différente, mais les deux fonctionnent relativement bien. Et puis, dans le back-end, alors moi, je suis quelqu'un qui fait de l'open source. Donc, dans le back-end, moi, j'ai joué avec OpenSIP pour ça. J'ai joué avec FreeSwitch. FreeSwitch, si vous connaissez pas. Alors, OpenSIP, lui, c'est vraiment ce qu'on appelle un proxy. Donc, c'est quelque chose qui est capable de faire essentiellement de la signalisation. Donc, tout ce que je vous disais, donc il est capable de faire en très gros volume de la signalisation. Je veux dire, sur OpenSIP, j'ai fait tourner des systèmes avec plusieurs dizaines de milliers de endpoints connectés. Ils ne bougent pas. FreeSwitch, inversement, c'est un système qui est plutôt destiné à faire du média, et en particulier FreeSwitch, si vous êtes intéressé par faire du WebRTC et des choses un peu complexes comme de la vidéoconférence. FreeSwitch a un très bon service de vidéoconférence, qui est inclus dedans. Donc, pareil, les deux savent parler SIP SIP over the WebSocket, et donc les deux sont capables effectivement de parler avec WebRTC directement en natif. Ça, c'était la partie facile.
Et du coup, on va parler vraiment du point que moi je voulais apporter. Je vais faire un petit peu. Normalement, là, les gens auraient des questions, mais ça ne marche pas comme ça quand on est en distanciel. On va maintenant parler des problématiques qui sont liées à la traversée NAT et des problématiques de conversion de protocole. De quoi est-ce que je veux parler quand je parle de ça? Quand vous êtes sur le vrai Internet, quand vous n'êtes pas dans un laboratoire où vous êtes en train de tester entre deux téléphones ou entre deux navigateurs, les choses sont un peu plus compliquées que ce que je vous ai présenté. Il y a déjà une problématique qui est liée au manque d'adresses IPv4, à la disparition des adresses IPv4 qui sont en nombre limité et qui disparaissent très très rapidement. On en aura bientôt plus disponible. Au niveau des instances nationales, il n'y en a pratiquement plus de disponibles. Au niveau des instances, par exemple, européennes, il n'y en a plus de disponibles depuis très longtemps. Et donc, en fait, ce que les opérateurs en particulier ont été obligés de mettre en place, c'est ce qu'on appelle NAT, Network Address Translation, qui permet en fait de dire j'ai mes adresses IP privées sur mon réseau local, mais en fait j'ai qu'une seule adresse IP publique qui représente toutes ces adresses IP privées. Si vous travaillez à la maison derrière votre routeur fibre ou votre routeur DSL, vous savez très bien que l'adresse IP de votre PC en local commence par quelque chose du genre 192.168, c'est ce qu'on appelle une adresse privée. Ça veut dire que cette adresse-là, comme elle est privée, elle n'est pas joignable directement depuis l'Internet. La problématique que ça a, c'est que quand on veut faire du pair à pair, il faut que vous soyez joignable directement depuis l'Internet, sinon vous ne pouvez pas faire de pair à pair avec quelqu'un qui est au bout de la planète. Donc ça, c'est une première problématique. Donc NAT, c'est une première problématique autour de on veut faire du pair à pair, mais en fait, ça va être difficile, quoi. Il y a une deuxième problématique. Qui est, vous savez sans doute que IPv4 est le premier protocole Internet qui existe depuis les années 70, que la problématique de on ne va plus avoir d'adresse IP a été vue il y a très très longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant, et que donc il y a une nouvelle version du protocole qui s'appelle IPv6 qui a été mise en place. Cette version du protocole, elle est bien, mais elle n'est pas compatible, et donc du coup, faut faire la traduction. Vous ne pouvez pas parler directement entre machine IPv4 et IPv6, vous êtes capable de faire la traduction. Et puis ensuite, vous avez, en particulier en entreprise, des notions de pare-feu avec des filtrages de protocoles UDP. Le problème par défaut avec ça, c'est que en général, le média est transmis sur UDP et que si vous avez du filtrage, ça va moins bien se passer. Parce que là, il va falloir que le média soit transmis différemment. Voilà, donc je vous ai présenté NAT. NAT, c'est plusieurs adresses IP privées cachées derrière une seule adresse IP publique. Et donc voilà. Donc une première solution qui avait été proposée pour ça, c'est quelque chose qui s'appelle STUN, pour Session Traversal Utilities for NAT, quelque chose qui est relativement ancien. L'idée de STUN, c'était de dire, si on n'arrive pas à voir réellement quelle est l'adresse et le port qu'il faut utiliser pour une connexion, on va essayer de la deviner, on va demander à un serveur de nous dire ce que lui voit, et puis on va utiliser ça. Au doigt mouillé, quoi. Ça fonctionne pas bien. Enfin, ça fonctionne la plupart du temps pas bien. Et du coup, STUN était une bonne idée, mais ce n'était pas suffisant. Voilà, donc il essaye de deviner l'adresse IP, le port qui vont être utilisés, ça ne fonctionne pas bien. En pratique, c'est pas utilisable. Il y a quelque chose qui s'appelle TURN, qui est une extension de STUN qui a été créée après qu'on ait commencé à faire l'expérimentation avec STUN et qu'on se soit rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc TURN, c'est Traversal Using Relays Around NAT. Le mot important dans cette description, c'est le mot de relay. Donc, dans TURN, ce qui va se passer, c'est on va non seulement utiliser STUN, parce que il peut faire des choses intéressantes, mais surtout, on va permettre, dans le cas de WebRTC, au navigateur de dire hey, coucou, là, au milieu de l'Internet public, il y a un relais qui potentiellement serait capable de t'aider si jamais tu n'arrives pas à joindre l'autre. Donc, en particulier, quand vous faites du pair à pair. Si vous avez les deux machines, par exemple, qui sont derrière NAT, ou une qui est en IPv6 et une IPv4, vous allez avoir le relais au milieu qui va être capable, lui, d'établir la communication d'un protocole. Donc, le relais doit être situé sur l'Internet ouvert, c'est vraiment la seule contrainte. Tout ça, c'est bien. Maintenant, comment est-ce qu'on prend ça et qu'on le fait fonctionner avec SDP? Alors, il y a quelque chose qui a été écrit qui s'appelle ICE. Donc, ICE, c'est pour Interactive Connection Establishment, qui est une extension de SDP mélangée avec TURN, mélangée avec STUN, qui permet en fait de faire dynamiquement une liste de destinations possibles. Alors, je vais vous donner un exemple.
Donc voilà, ça c'est ce que vous aviez vu tout à l'heure à peu près quand je vous avais présenté SDP. Donc on a la description de ce que moi, que mon navigateur voit quand moi je suis en local. D'accord. Donc mon navigateur en local, il dit, alors le premier flux que je voudrais essayer potentiellement, c'est de l'UDP avec mon adresse IPv4 locale, qui est une adresse IP privée, donc 192.168 et les brouettes, sur le port 35734. Si ça, ça marche pas, on peut peut-être essayer de l'IPv6. Donc, vous voyez, il y a UDP, une adresse IPv6, un numéro de port différent. Si ça, ça marche pas, bon, peut-être essayer du TCP. Alors, pareil, il reprend son adresse IPv4 locale, qui est une adresse privée, parce qu'il connaît que ça. Si c'est pas, sinon, on peut essayer du TCP en IPv6. Donc, ça, c'est ce que le navigateur sait par défaut. Maintenant, si le navigateur a accès à un serveur qui fait du stun, le serveur stun va être capable de lui dire au fait, en fait, ton adresse IPv4, c'est pas celle-là qu'on voit sur l'Internet, c'est 80.87.88.89, et puis le numéro de port, c'est ça. Ça, c'est une première approche. Donc là, vous voyez, on est déjà à 5 solutions possibles. Et maintenant, si on est avec Stern, il va y avoir un relay, qui va se proposer de faire l'intermédiaire entre moi et mon correspondant. Et vous voyez que là, on est toujours en UDP, mais les adresses IP n'ont pas du tout la même tronche. On a 164, 171, 159, etc. Et ça dit relais un peu plus tard. Donc, ça veut dire qu'il y a une machine qui s'est proposée pour faire le relais de mes flux médias entre moi et mon correspondant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec ICE, vous vous souvenez que je vous parlais de ICE candidate, les candidats, ils sont là. Les ICE candidates que je vous ai dit qu'il fallait transmettre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. C'est ceux-là qui sont transmis, en fait. Donc, le navigateur, après, qui est à l'autre bout, dans l'ordre, il va essayer ces différentes solutions là, une par une, jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Et en pratique, normalement, celle avec le relay, elle fonctionne toujours. Mais effectivement, si par contre j'ai mes deux PC qui sont sur mon réseau local, même derrière mon routeur fibre, etc., il n'y a pas de raison qu'ils passent par un relay à l'autre bout de la planète pour arriver à communiquer. Ils peuvent très bien communiquer ensemble. Et ICE permet de faire ça. Il va choisir la solution la plus proche, la solution la plus simple en premier. Et puis, il va après, au fur et à mesure de découvre que ça ne marche pas, essayer d'utiliser des solutions plus complexes. Voilà. Ouh, ça, c'était facile. Non, je rigole. Non, ça, c'était quand même, on commence à être un peu dans le compliqué. Maintenant, je vais vous dire, c'est vraiment la clé, le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est quand on déploie du WebRTC, il faut penser à toutes ces problématiques-là. Et en particulier, il faut se poser la question de comment est-ce que moi je vais déployer de l'ICE? Et en particulier, ça veut dire qu'il va falloir qu'on déploie une solution ICE privée. Alors pourquoi? Alors je vais commencer par la réponse que je vous aurais donnée il y a 3-4 ans, qui est en fait, il y a une réponse beaucoup plus simple, je vous la donnerai sur la slide, dans deux slides. La réponse de base, c'est que certes, dans WebRTC, par défaut, le média est encrypté. Donc il y a des échanges de clés cryptographiques qui se font entre les navigateurs, démarrage de la session dans le SDP. Je vous ai pas montré tout ça parce que c'est un peu complexe, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui est important en fait quand, par exemple, vous avez un gouvernement ou vous avez des espions qui essayent de savoir ce qui se passe dans votre entreprise ou ce qui se passe chez les gens. Parce que le média est encrypté, mais en fait, on voit très bien quelles sont les adresses IP de source et d'origine, et donc on est à peu près, quand vous faites du pair à pair, savoir de qui parle avec qui, et c'est encore beaucoup plus simple effectivement on est capable de voir les flux directement. Donc on est capable de voir qui parle avec qui, quand, combien de temps, combien de fois. Et en fait, quand par exemple vous êtes un opérateur et que la police vous demande, on voudrait avoir des informations sur les communications de Monsieur X, en général ils ne demandent pas le contenu des communications qui correspondrait aux médias, ils vous demandent ces informations-là. Il a appelé qui, quand, combien de temps et combien de fois. Et donc du coup, en fait, ces informations-là, donc qui potentiellement peuvent être accessibles directement si vous faites du pair à pair sans passer par un relais, en particulier sans passer par ICE, peut être relativement fragile. L'autre raison, qui est beaucoup plus simple, en fait, qui est celle qu'on peut de toute façon utiliser aujourd'hui pour justifier le fait qu'il faut faire de l'ICE en privé, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, quand les gens étaient vraiment dans WebRTC, il y avait encore des relais publics qui existaient. Donc les relais donc ICE qui permettent eux, enfin les relais TURN techniquement, qui permettent eux d'établir de façon sûre la connexion entre deux navigateurs, ben, il n'y en a plus, il n'y en a plus qui de gratuit, il n'y en a plus de public. Donc ça veut dire que de toute façon aujourd'hui,
si vous voulez monter une solution qui utilise du WebRTC ou qui utilise du SDP même en entreprise ou sur une offre de service, vous n'avez pas le choix. Il va aussi falloir que vous ayez une solution pour faire du term, pour faire de l'ICO. Voilà. Donc, je vais vous parler vite fait de Coterm. Coterm, c'est du logiciel libre. C'est un logiciel qui est disponible sur GitHub, qui est disponible dans la plupart des distributions Linux en particulier, qui fonctionne très bien sur différentes plateformes. Coterm, c'est déployable en conteneur. C'est du logiciel que moi, j'ai utilisé dans du Docker, qui fonctionne très bien dans du Docker, qui fonctionne aussi très bien derrière du NAT d'opérateur cloud. Parce que bon, les opérateurs cloud ont les mêmes problématiques que les autres, c'est-à-dire que eux aussi, il faut qu'ils préservent leurs adresses IPv4, et donc du coup, ils font souvent des petites astuces pour que votre adresse IPv4, ils puissent la réassigner à quelqu'un, etc. Donc en fait, il y a du NAT aussi chez les opérateurs de cloud, et Coterm est capable de gérer ça. Il sait gérer toutes les traductions dans tous les sens, IPv4 vers IPv6, TCP vers UDP, etc. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problématique. Et puis, il faut aussi faire de l'authentification parce qu'il est évident que si vous allez payer des serveurs, si vous allez payer de la bande passante pour faire du relais de médias pour vos utilisateurs, vous n'avez pas nécessairement envie de faire un relais public non plus parce que ça vous coûtera cher. Du coup, Coterm peut aussi faire de l'authentification, donc une base de données statique dans la configuration. Il a des interfaces pour les bases de données, Postgres, etc. Il a une interface REST, vous pouvez configurer les utilisateurs. Et il sait aussi faire de l'auth, donc il sait faire en fait de l'authentification distribuée sans problème. Voilà. Donc Coterm est une bonne solution pour déployer donc de l'ICE privé. J'espère que vous avez réussi à comprendre pourquoi c'est important d'arriver à faire tout ça, pourquoi WebRTC est super, mais il y a aussi un petit peu de quelques challenges dans le déploiement. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite pour remercier Nantes.js, Yvonique qui a fait la présentation, et Charles-Henri qui est en train de stresser comme un malade pendant qu'il fait la régie, et merci beaucoup. Voilà. Et j'attends vos questions. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Du coup, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas. Donc, il va y avoir un petit délai hein, parce que le temps que les gens tapent leurs questions. Moi, j'aurais une petite question, Stéphane. Est-ce que aujourd'hui, WebRTC pour j'ai envie de dire du développement web un petit peu dans nos usages actuels, est-ce que tu penses que c'est viable pour je pense des usages type réseaux sociaux? Je sais qu'il y a des expérimentations qui ont été faites, des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais, quel avantage en fait pour ces usages-là? Bah c'est quand même un peu la technologie de référence. Je pense aux applications qu'utilisent mes enfants où il n'y a même pas nécessairement des choses qui sont en temps réel, mais où tu vas avoir un minimum de comment est-ce qu'on dit privacy en français. Je pense que c'est important ne serait-ce que pour toute la partie gestion de la vie privée, par le fait que tu as de la crypto, par le fait que tu es capable de faire du pair à pair avec de l'encryption end-to-end. De ce point de vue-là, rien que ça déjà, ça justifierait la technologie. Après, effectivement, dans les applications de réseaux sociaux, je veux dire, c'est Facebook Messenger, c'est du WebRTC, quoi. Tu prends tous les autres, c'est nécessairement du WebRTC qu'ils utilisent. Discord, quand Discord fait de l'audio et de la vidéo, c'est du WebRTC. Enfin, il n'y a juste pas le choix. C'est la technologie qui est disponible dans le navigateur pour faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, de toute façon, c'est une technologie qui est là pour rester. Si j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce que tu verrais des usages un peu innovants qu'on pourrait faire avec WebRTC? J'ai envie de dire sur peut-être des choses qu'ils n'utilisent pas à l'heure actuelle et où peut-être il y aurait un intérêt en fait à peut-être pousser cette technologie. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent en particulier sur les aspects moins évidents du data channel pair à pair en fait. J'ai vu des gens qui parlaient de faire du blockchain sur du data channel WebRTC ou des choses comme ça. Le fait est qu'on voit, enfin, quand les gens pensent WebRTC d'un point de vue développement, ils pensent surtout audio, vidéo et partage d'écran.
Il y a plein de choses qui sont possibles avec la partie data channel qui ne sont pas nécessairement… c'est juste de la donnée en pair à pair, quoi. C'est la même chose que ce que les gens essayent de faire depuis des années avec les partages de fichiers en pair à pair, avec toutes les applications cryptées, etc. Tu penses à une application comme Telegram, Telegram, ça se fait rapidement avec WebRTC. Il n'y a pas de limite à ça, en fait. Tu peux faire de la transmission de fichiers avec WebRTC en pair à pair, encrypté end-to-end. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. La partie audio-vidéo, c'est un petit peu la partie évidente. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui sont possibles là-dessus. En particulier, si tu penses que il y a la partie pair à pair, mais il y a aussi la partie, on peut injecter un serveur au milieu. C'est par exemple toutes les applications où tu es capable de non seulement faire du pair à pair, mais aussi d'enregistrer un message pour ton correspondant s'il n'est pas disponible. Donc, le navigateur n'est pas allumé. Dans ce cas-là, c'est un serveur qui prend le relais et qui enregistre le message pour la personne à l'autre bout. C'est tout ce que tu peux imaginer en pair à pair est faisable avec WebRTC. C'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui permet de faire tous les trucs difficiles de pair à pair qu'on essaye de faire depuis une vingtaine d'années, que ce soit aussi bien du partage de fichiers que du temps réel. Ok. Bon, je vois pas de questions. En tout cas, merci à toi, Stéphane. Et alors, pour ceux qui suivent, n'hésitez pas à faire des retours à Stéphane avec le lien Open Feedback qui vous a été posté dans le chat. Je pense que ça lui fera beaucoup plaisir et ça l'aidera beaucoup pour son talk. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, et bienvenue sur ce talk sur Svelte, hein, qui va commencer par la question la plus basique qui soit, qu'est-ce que Svelte ? Alors Svelte, c'est un compilateur front qui va nous permettre de créer des applications dynamiques, comme on fait déjà en React, Angular et Vue, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir une librairie qui va être importée, enfin je veux dire téléchargée par le client, Svelte met un compilateur au cœur de son fonctionnement, et comme on va le voir, ça va changer pas mal de choses. Alors, pourquoi un compilateur ? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser aux origines de Svelte et notamment de son créateur Rich Harris. Alors, Rich Harris, il est déjà connu pour être le créateur de Rollup.js, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il travaille au New York Times. Alors, il travaille toujours, hein, mais c'est aux alentours de 2016. Il occupe le poste de graphic editor, d'ailleurs, qu'il occupe toujours. Et il fait plus ou moins de la représentation de données en React. Et il est souvent confronté aux limites du Virtual DOM de React, à savoir que ses graphiques sont assez lents, etc. Et il est très frustré de ces situations et il réfléchit à une solution pour se passer de ce Virtual DOM. Alors, qu'est-ce qu'il reproche en Virtual DOM ? Pas mal de choses. Alors, on va partir d'un exemple pour expliquer la situation. Alors, d'abord, là, on a un exemple assez simple. On a un input qui modifie un champ texte, enfin une variable name. Et cette variable name est ensuite affichée dans une balise P. Donc, rien de bien compliqué. Toutefois, via ce fonctionnement, React va faire pas mal d'opérations côté client, à savoir que quand l'utilisateur va écrire un nouveau caractère, React va générer un nouveau Virtual DOM qui va ensuite comparer à l'ancien Virtual DOM et ensuite pouvoir déterminer les mises à jour nécessaires à mettre sur le DOM. Sauf que, comme on peut remarquer, il y a pas mal de comparaisons qui sont faites et qui n'ont pas lieu d'être, parce que tout simplement, la situation idéale, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point, c'est qu'une modification du DOM soit impactée, une modification de l'input soit directement impactée dans le DOM. Et c'est exactement ce que vise Svelte, avec du coup son compilateur, parce que c'est compliqué de faire ce genre de binding, on va dire, à la main pour un développeur, hein, ça serait vraiment du cas par cas. Et en fait, Svelte
va mettre un compilateur au cœur de son fonctionnement. Et donc, en tant que développeur, nous, on va créer nos composants dans des fichiers au format .svelte. Le compilateur Svelte va regarder notre composant, va comprendre, va l'analyser et va nous générer le JavaScript optimal pour permettre d'avoir ce rendu-là. Et du coup, si on regarde la même application avec Svelte, on n'est pas trop dépaysé, hein, surtout si on vient de l'univers React. Hein. On a un input qui appelle une fonction updateName qui ensuite va mettre à jour une variable name qui sera ensuite affichée dans la balise P. Donc ça fonctionne de la même manière. Et par contre, si on regarde le JavaScript généré, on peut remarquer que Svelte ne réalise que deux opérations sur le DOM, à savoir que quand la variable name est modifiée, il met à jour une zone T2 bon, qui correspond à cette zone de texte, et il met aussi à jour la valeur de l'input. Et en fait, ce fonctionnement-là va permettre d'avoir des performances beaucoup plus importantes par rapport à React. Alors, dans des vieux benchs, Rich Harris parlait de 35 à 50 % plus rapide que React. Et en fait, ça s'explique surtout par le fait qu'il n'y a pas leur virtual DOM qui réalise toutes les comparaisons pour déterminer les mises à jour à faire. Alors après, vous pouvez me dire que les performances, c'est bien, mais en fait, React en soi, c'est déjà assez rapide. Hein. Vous ne rencontrez pas dans votre quotidien des limites de performance de React. Et je suis d'accord avec vous. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas dit que React était lent. J'ai juste dit que React avait des certaines limites que Svelte n'avait pas du fait de son fonctionnement via compilateur. Et là où Svelte va aussi avoir son avantage, c'est qu'en tant que compilateur, il va nous apporter un ensemble de secrets syntaxiques qui va nous permettre d'écrire moins de code. Par exemple, là, dans cet exemple-là, je peux lier directement la valeur de l'input à la variable name, via ce qu'on appelle dans le jargon de Svelte une directive. Et du coup, ici, en rajoutant pas de points, on lit directement les deux variables. Et du coup, le onInput devient inutile parce qu'il sera généré tout seul par le compilateur, de même que la fonction updateName. Donc là, on obtient le même exemple, mais sauf que contrairement à l'exemple en React, j'ai écrit beaucoup moins de code. Et c'est ce qui fait que Svelte est beaucoup apprécié par les développeurs, c'est que, en fait, de manière globale, en Svelte, on écrit moins de code. Là, par exemple, voici le même code source réalisé à gauche en React, au centre avec Vue, et à droite en Svelte. Et là, on comprend que l'intérêt de Svelte, c'est qu'on code on écrit beaucoup de moins de lignes de code, ce qui fait qu'on est beaucoup plus productif, et de même, il y a moins de code à maintenir, moins de code à lire, etc. C'est beaucoup plus maintenable qu'un code plus grand, plus long. Et aussi, il y a un troisième avantage, c'est que dans le bundle final qui sera généré par Svelte, il n'y aura que les fonctionnalités que vous utilisez. Alors, il faut savoir que Svelte a un poids de 50 kg, sauf que dans le bundle final, seules les fonctions que vous allez utiliser vont être incluses dans ce bundle. Donc là, par exemple, pour l'application avec juste le nom, le bundle final, ça sera de 3 kg, parce que du coup, Svelte ne va prendre que les portions qui l'intéressent. Et donc voilà, du coup, pour résumer, pourquoi Svelte est autant apprécié par les développeurs, c'est que tout simplement, il est plus performant, génère une application avec un poids réduit, mais le tout en écrivant moins de code. Et puis, je rajouterai aussi un quatrième avantage, c'est qu'on est beaucoup plus productif avec Svelte, du fait qu'on ait moins de code, mais aussi que c'est facile à apprendre parce qu'il y a beaucoup moins de... Tout a été pensé pour être simple pour un nouveau développeur, à savoir qu'on est très proche du HTML par ce souci de simplicité. Alors maintenant, je vais faire un tour d'horizon de Svelte, vous présenter un peu les fonctionnalités basiques. Alors, un composant Svelte se divise en trois zones. La première correspond à la partie logique, donc qui est écrite en JavaScript. Une partie style, correspondant à notre CSS. Et la troisième partie, qui est tout le reste, qui est la partie template. Et là, pour ceux qui connaissent HTML, on est très proche de... On était proche de ce... de ce langage. Il y a un débat sur ce sujet, mais on est très proche d'un fichier HTML, à savoir que si on rajoute des balises HTML et head body, on est dans un fichier HTML. Et c'est vraiment ce souci de se rapprocher du HTML, ce souci de simplicité qui est aussi un des grands avantages de Svelte. Alors concernant la partie CSS, c'est extrêmement simple. Si vous allez faire du CSS de manière classique, vous pouvez faire du CSS en Svelte. La seule chose à savoir, c'est que
pour encapsuler le code CSS et pour éviter qu'il déborde, on va dire, sur d'autres composants, Svelte, le compilateur Svelte va rajouter lui-même sa propre classe par-dessus. Donc, du coup, ça garantit l'isolation du composant et éviter que des styles ça évite les effets de bord sur d'autres composants. Ensuite, au niveau des conditions, c'est assez simple aussi. On précise entre accolades nos conditions. Et les conditions sont les mêmes qu'en JavaScript, donc à l'exception des parenthèses. Donc ici, on peut faire tout ce qu'on peut faire déjà en JavaScript qu'on connaît. Ensuite, alors c'est un peu différent, c'est un dièse each, la collection as, du coup, l'élément, et qui va permettre d'avoir un affichage assez simple, enfin, d'itérer facilement sur la collection, avec toutefois une petite option supplémentaire qui me permet d'avoir un rollback, en fait, enfin, plus ou moins un fallback plutôt, si la liste est vide. Ensuite, au niveau de templating, il y a aussi la possibilité de gérer les promesses, donc, et notamment les différents statuts des promesses. Donc, à savoir que si... alors, c'est via le système, enfin, via le code await, où on indique la promesse, que faire quand la promesse est résolue, et que faire aussi quand, en cas d'erreur. Et donc, ça nous permet de facilement générer nos promesses en Svelte. Ensuite, au niveau de ton fonctionnement, Svelte fonctionne par composants. Donc ici, il ne révolutionne pas vraiment le tout ce qu'on connaît déjà en Angular et React et Vue. Hein, et là, d'ailleurs, on va voir par exemple ce composant-là qui a une variable name qui affiche hello le contenu de sa variable, donc ici inconnu. Et on peut indiquer en paramètre les valeurs, la valeur que l'on souhaite afficher comme propriété. Et comme vous pouvez voir, ici pour le moment, ça ne fonctionne pas, puisque pour indiquer que cette variable-là est une propriété de l'objet, il faut rajouter un export devant. Alors pourquoi ? Ça peut sembler bizarre, mais en fait, ça va me permettre de parler du fonctionnement de Svelte, à savoir qu'en fait, dans cette zone script, Svelte attend du JavaScript natif. Il utilise vraiment au sein du compilateur un compilateur qui attend du JavaScript. Et sauf qu'en fait, Svelte va rajouter une couche par-dessus où en gros, il va modifier la sémantique de certains mots-clés à certains endroits. Et notamment, c'est le cas de export. Export qui, du coup, en Svelte, n'a pas la même valeur que dans du JavaScript natif. Et donc, en fait, si vous voyez un export dans un composant Svelte, il faut tout simplement vous dire, bah, tiens, c'est une propriété. Alors, un autre exemple de détournement de la sémantique de JavaScript, c'est les blocs réactifs qu'il est possible de réaliser avec la syntaxe $2. Alors, cette syntaxe-là, il faut savoir que c'est une syntaxe JavaScript native, hein, tout simplement, par exemple, ça s'appelle des labels, tout ça. Ça permet par exemple dans des boucles de pouvoir spécifier ou continuer. Sauf qu'en fait, personne ne les utilise et Svelte a choisi de les recycler pour pouvoir créer ces blocs réactifs-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand la variable name est modifiée, ce bloc-là est exécuté et donc elle met à jour une valeur uppercase qui affiche le résultat de la variable, mais avec des majuscules. Et du coup, ce bloc est aussi pratique pour pouvoir suivre, par exemple, la valeur d'une variable. Donc ici, un console.log, on voit que ce code-là n'est exécuté que si name est modifié. Et on peut aussi faire un système d'autocomplétion, à savoir qu'on peut rajouter des conditions et faire un fetch que si, alors là, il est mal implémenté le fetch, mais que si votre code dépasse un certain nombre de caractères. Alors ensuite, je vais parler des stores. Hein. Les stores, ça va être une grosse partie du talk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, le principe des stores, ça consiste à déporter une partie de vos variables dans un endroit tiers pour pouvoir y accéder partout. Et dans Svelte, les stores, ça s'appelle des writable, où on indique la valeur par défaut en entrée. Et donc là, d'ailleurs, on est dans un fichier JavaScript natif. Hein, donc l'export qu'on voit ici, c'est le même que... Bah, c'est l'export qu'on connaît déjà en JavaScript. Et donc ensuite, pour l'utiliser, on va l'importer. Donc là, importer.
Pour ensuite récupérer la valeur, on va s'inscrire au store. Donc on va dire c'est la méthode subscribe et on va indiquer la fonction exécutée quand la valeur du store sera modifiée. Donc on a sa nouvelle valeur en entrée et on va afficher compte value égale la nouvelle valeur. Et donc comme on voit, du coup, on a bien le 0 qui correspond à notre state initial. Alors ensuite, on peut aussi interagir avec ce store. On a notamment la méthode update qui va prendre en paramètre une fonction contenant la valeur actuelle du store. Donc ici, n, c'est la valeur qu'on a actuellement et on va retourner la nouvelle valeur. Donc ici, n plus 1. Il va nous permettre... Les aléas du direct. Hop, et ben... Il va falloir que je revienne dessus plus tard pour comprendre. Et sinon, alors il y a aussi la fonction set qui permet tout simplement de mettre une nouvelle valeur au store. Alors, là, par exemple, si la valeur était 10, c'était 2. Alors, on va passer directement. Alors le set, je peux pouvoir le montrer, mais ça consistait tout simplement à faire compteur set égale 0, qui ça permettait de tout simplement remettre la valeur à jour. Alors je vais réécrire le subscribe. Hop. Hop. Et sauf qu'en fait, cet exemple-là n'est pas suffisant parce qu'il est nécessaire de... Là, on s'est inscrit aux modifications du store, mais il est aussi nécessaire de se désinscrire, à savoir que là, si on ne se désinscrit pas du store à la fin du à la disparition du composant, et ben dans ce cas-là, on aura une fuite mémoire. Donc pour se désinscrire, on va importer la méthode undestroyed de z et on va l'appeler pour pouvoir exécuter une fonction à la fin. À la destruction du composant qui sera notre fonction, la fonction retournée par. Donc là, on obtient le même fonctionnement, mais en fait, comme on peut le remarquer, j'écris pas mal de code et Z va nous proposer encore une fois un raccourci syntaxique, c'est savoir que si on préfixe le nom du store par dollar, on va pouvoir accéder directement à sa valeur. Donc là, par exemple, au lieu de faire compte value, je peux faire directement compteur. Et on affiche bien la même chose. Et cerise sur le gâteau, c'est que du coup, Svelte va nous gérer à la fois le undestroy, mais aussi la partie subscribe. Donc en fait, tout ce code-là devient inutile. Et on peut aussi directement interagir avec la valeur, à savoir que unclick. C'est ça qui me manquait. On peut directement faire dollar counter 1. Et on peut aussi faire dollar counter. Égal 0. Comment que je pense. Et sinon, en fait, ce store, il est possible d'aller encore plus loin en le personnalisant. Savoir que c'est un objet JavaScript et en fait on peut plus ou moins l'encapsuler dans un autre objet
on va récupérer. Alors, on va le déstructurer pour récupérer tout simplement nos valeurs. Et on va pouvoir retourner un nouvel objet. Donc, par exemple, on va retourner Subscribe, qui va nous permettre de garder la syntaxe avec le dollar. Mais on va pouvoir aussi créer une fonction increment qui va appeler notre update. Et ensuite, on va créer notre nouveau compteur. Et ça va fonctionner de la même manière. Sauf que cette fois-là, j'ai bien des actions qui vont me permettre ajouter des actions personnalisées qui correspondent vraiment à ce que je souhaite faire dans mon store. Donc là, d'ailleurs, je vais aussi rajouter la fonction reset. La fonction reset qui va parler du set et qui va le mettre à 0. Et du coup, dans mon compteur, je vais pouvoir directement appeler ces fonctions-là. Et du coup, obtenir le même fonctionnement. Du coup, les stores dans Svelte, c'est vraiment... c'est inclus tel quel, hein, ce n'est pas une librairie qu'il faut rajouter. Et ça va permettre d'obtenir vraiment un système très réactif et avec des actions définies, et tout ça de manière, on va dire, en écrivant, encore une fois, très peu de lignes de code. Alors ensuite, un autre point que Svelte facilite, c'est notamment les animations. Et donc, comme on peut le voir dans ces exemples, il y a une directive qui s'appelle in et une directive qui s'appelle out. In va nous permettre de spécifier le comportement d'un élément quand il arrive dans le DOM et out quand il quitte le DOM. Et en fait, bon là, j'utilise des fonctions qui sont pré-incluses dans Svelte, mais vous pouvez créer les vôtres en JavaScript et d'ailleurs, elles seront reconverties ensuite par le compilateur en CSS3 pour encore une fois des soucis de performance. Et donc là, cet exemple-là, on voit bien que il y a un effet de transition à l'arrivée et ensuite une disparition sans mouvement au départ. Alors après, pour continuer à parler de Svelte, il faudra encore 4-5 heures, mais Svelte met à disposition un tutoriel qui est très bien fait, qui va vous permettre en fait, il y a 19 points, mais ça, en fait, en plus ou moins une après-midi, vous pouvez parcourir l'ensemble du tutoriel et vous pouvez devenir, on va dire, presque indépendant, même être déjà productif pour créer du Svelte. Donc, par exemple, vous pouvez, il va avoir un chapitre sur les transitions CSS, comment créer ses propres transitions CSS. Et d'ailleurs, ce tutoriel, c'est en fait un ensemble d'exercices d'écriture. Il va vous inviter à écrire du code Svelte pour pouvoir ensuite vous puissiez tout simplement mieux assimiler le mode de fonctionnement de Svelte. Et donc il y a 19 points et à la fin, tout simplement, vous êtes prêt à créer votre propre. Vous êtes prêt à. On peut même déjà vous considérer comme un développeur, c'est-à-dire pas forcément aguerri, mais prêt à travailler sur un projet Svelte. Alors ensuite, on va prendre un peu de recul et discuter de l'avenir de Svelte. Et on va commencer tout d'abord par ses défauts, hein, parce qu'il n'est pas sans défaut. Le premier, c'est qu'il y a un éloignement du JavaScript final, à savoir que ce que vous allez écrire dans votre composant va être très différent de ce qui va être encapsulé, même généré par le compilateur Svelte. Et ça peut éventuellement gêner certains de pas vraiment avoir un code identique à ce qu'il a créé. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais il n'y a pas de support de TypeScript dans Svelte. Je sais que certains d'entre vous peut-être ne jurent que par TypeScript, mais il y a de plus en plus de plugins, et même maintenant, il y a même un plugin officiel qui permet de rajouter TypeScript dans Svelte. Ensuite, il y a un écosystème assez jeune. Hein. Svelte, dans sa version actuelle, qui est la version 3, a été lancé en avril 2019. Et du coup, il n'y a pas encore tout ce qu'on peut retrouver autour de
de React Vue Angular comme les CLI et compagnie. Pour le moment, c'est pas, ça n'existe pas. De même, il y a tout un ensemble de librairies qui voient le jour, hein, que ce soit pour le routing, pour les formulaires et tout ça. Il y en a pas encore qui sortent vraiment du lot. C'est vraiment beaucoup de librairies naissent et on ne sait pas trop quel avenir leur donner. Après, toutefois, il y a une communauté derrière Zelle qui est de plus en plus grande. Et du coup, on va dire que tous ces soucis de jeunesse vont sûrement disparaître avec le temps. Ensuite, alors là, il ne faut pas se leurrer. Pour le moment, il y a peu de demandes. À savoir que il y a Apple qui a publié quelques offres d'emploi autour de Zelt. Après, le seul que je connaisse qui utilise vraiment Zelt en production, il y a Spotify qui utilise vraiment Zelt dans son site en production. Si on s'intéresse un peu au code, on voit bien qu'il y a du Zelt qui traîne un peu partout. Voilà. Et donc, il y a encore peu de demandes sur Svelte, mais on voit bien que certaines entreprises commencent à investiguer dessus. Et pour cause, il n'y a pas beaucoup de demandes parce qu'il y a déjà trois grands dans l'écosystème du JavaScript, qui sont React, Angular et Vue. Et donc, forcément, les gens, même les décideurs, ou même les gens qui font déjà du React Angular, vont plus miser sur cette technologie-là parce que tout simplement, il y a forcément plus de développeurs qui en font. Et donc, partir sur Svelte, ça peut éventuellement déjà être considéré un peu comme un risque de ne pas pouvoir retrouver des personnes pour remplacer une ressource, etc. Toutefois, bon, ça, j'espère qu'avec le temps, ça sera de moins en moins le cas. Et c'est aussi un des buts de ce talk. Et ensuite, il y a certes Svelte qui, on va dire, a des avantages à l'ENIA, mais il se fait, enfin, je ne vais pas dire rattraper forcément, mais... pas forcément le terme exact, mais on va dire que Vue aussi, enfin que React Angular et Vue intègrent de plus en plus les notions de compilation à leur fonctionnement. Il y a notamment Vue dans sa version 3 qui va récupérer, qui va analyser le code pour vraiment optimiser le virtual DOM, à savoir qu'il va regarder que les endroits où il sera nécessaire de mettre à jour le DOM pour encore une fois gagner en performance. Il y a Angular qui analyse aussi le code pour déterminer les fonctionnalités incluses dans le bundle final, hein, il l'utilise pour des questions d'optimisation de poids. Après, en React, il n'y a rien de similaire à la pré-compilation. Il y a juste un projet qui a été créé par Socra, alors qui est un des créateurs de Webpack, un projet bon, qui s'appelle Rawak, et qui a pour but de compiler du code de React en JavaScript vanilla et natif. Et alors, c'était juste un POC, il n'est pas allé beaucoup plus loin que les deux exemples de code qu'il utilisait. Mais on peut remarquer que déjà, il a fait passer un code React de 115 kg à 4 kg, ce qui est très bien. Et peut-être qu'un jour, React misera sur la compilation. Et d'ailleurs, de manière générale, je pense que les concepts, on va dire, apportés par Svelte ont un avenir devant eux. Alors ensuite, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'écosystème Zelt, c'est que Microsoft a sorti un nouveau système de générateur de sites statiques et il a considéré quatre technologies dans leur tutoriel, alors Angular, React, Vue, mais aussi Svelte. Donc ça veut dire quand même que Microsoft, d'une certaine manière, considère que Svelte est une technologie assez grand public pour proposer un tutoriel dessus. Donc ça ne veut pas forcément, décider... Ça ne permet pas de déduire un peu ce que sera l'avenir de Svelte, mais ça montre déjà qu'il y a un signe que Svelte est de plus en plus considéré comme technologie. Alors du coup, pour faire un bilan sur la Svelte et son avenir, je vais terminer par une réponse de développeur qui va être « ça dépend ». Ça va dépendre tout simplement de la volonté des développeurs de se former sur Svelte ou même de s'intéresser à Svelte et de lui donner une chance. Et c'est d'ailleurs un des objectifs du talk, c'est pas vous dire abandonnez tout et faites du Svelte, c'est vraiment intéressez-vous à Svelte, regardez comment il fonctionne et faites-vous votre propre opinion dessus. Encore une fois, il y a un très bon tutoriel qui va permettre en une après-midi de vraiment comprendre une grande partie du fonctionnement de Svelte et vraiment vous faire une idée, de son fonctionnement. Et pourquoi pas l'utiliser dans le cadre d'un petit projet pour commencer, pour vraiment voir comment Svelte fonctionne.
Ensuite, alors mon avis personnel, moi j'ai découvert Svelte en fin d'année dernière via une conf qui s'appelle de Rich Harris, qui s'appelle Rethink Reactivity, et qui m'a convaincu du coup de me renseigner sur Svelte, et en plus cumulé au tutoriel, encore une fois, qui est très bien fait. Ça fait trois fois que je le dis, donc j'espère que vous allez finir par me croire, mais en tout cas, on devient rapidement opérationnel et prêt à coder sur Svelte. Et je dois avouer aussi que c'est très plaisant de développer sur Svelte parce qu'on écrit beaucoup moins de code. En fait, il y a tout ce qui est une partie boilerplate qui disparaît. On n'a pas de notion de gérer des classes, etc., gérer des fonctions, gérer de l'objet et compagnie. De même, il y a le sucre syntaxique qui nous rend beaucoup plus productifs. Et il y a aussi, c'est important de préciser, il y a moins de concepts. Par exemple, il y a tout ce qui est virtual DOM et shoot component update et pure component et compagnie. En Svelte, ça disparaît parce que du coup, il n'y a pas besoin de ça. C'est le compilateur en fait qui absorbe toute la complexité pour pouvoir vous permettre d'être plus productif et d'aller directement à l'essentiel. Après, tout n'est pas encore parfait. Les projets Svelte se basent sur Rollup, et notamment si on souhaite ajouter de nouveaux éléments, donc notamment TypeScript, SAS, etc., il est nécessaire de modifier la configuration Rollup. Donc ça joue à 4-5 lignes, mais bon, par rapport à une CLI qui vous mâche le boulot, il y a encore un peu de bidouille, on va dire, mais ça reste très léger. Et après, bon, j'espère que à l'avenir, j'aurai aussi des projets qui me permettront de tester Svelte dans des plus grands environnements. Voilà, on verra. Alors après, si vous souhaitez aller plus loin, je peux vous conseiller d'aller consulter le talk de Rich Harris où il parle de l'introduction de Svelte 3, où il réexplique à nouveau tous les griefs qu'il a contre le Virtual DOM. Ensuite, pour la quatrième fois, vous avez le tutoriel Svelte qui vous permet vraiment de découvrir une très grande partie, je pense 80% à 90% des concepts de Svelte. Si vous souhaitez avoir un retour d'expérience sur Svelte, il y a un article qui a été rédigé par Mathieu Marchois qui a converti une application React en Svelte et qui a permis de passer de 29 000 lignes de code à environ 8 000. Donc ça reste quand même une grosse plus-value. Et bon, et tout ça en 2 semaines. Bon, après, il connaissait le contexte, et de même, les 29 000, je pense qu'il y avait beaucoup d'historique qui expliquait pourquoi il y avait autant de lignes de code, mais en tout cas, si vous voulez avoir son avis, vous pouvez lire cet article-là. Et après, oui, il y a éventuellement une quatrième conférence que je peux vous conseiller, qui est Wackless Do More, où Rich Harris, encore une fois le créateur de Svelte, reprend le credo de jQuery, où il explique que l'intérêt de... Alors encore une fois, que Svelte, en permettant d'écrire moins de code, permettait de faire plus de choses, que ce soit en termes de productivité, maintenabilité, etc. Et donc, voilà pour ce talk de présentation de Svelte. Hein. Pour ma présentation, alors je m'appelle Alexandre Courtin, je travaille à CERN depuis 2 mois. Et si vous avez des questions concernant Svelte, vous pouvez me contacter via Twitter, via mon adresse email, ou même directement maintenant, hein, il n'y a pas de raison d'être timide. Et du coup, je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Alexandre. Super cool comme talk. Alors, on a une première question qui nous vient de Dimitri Lahaye, qui se demande, c'est quoi le meilleur IDE actuel pour bosser en Svelte? Visual Studio Code. En fait, tous les projets, il y a des projets pour ajouter de plus en plus de tooling autour de Svelte, et ils s'orientent vraiment vers Visual Studio Code. Il fait un peu l'unanimité dans la communauté de dev en général, puis même du coup en tant que la plupart des développeurs de Svelte utilisent Visual Studio Code. Donc t'as des intégrations spécifiques au framework. Il y a des extensions qui vous permettent de supporter la syntaxe de Svelte. Et d'ailleurs, même le syntaxe classique, c'est si vous n'avez pas de linter Svelte, utilisez un linter HTML en fait. Vu que Svelte est pensé pour être proche du HTML, un linter HTML vous suffit même d'avoir une coloration syntaxique de base dans Svelte. Ok. On a une autre question de Benoît qui se demande est-ce qu'on est obligé d'avoir des fichiers en point Svelte et on ne pourrait pas plutôt avoir des points HTML, CSS ou JS?
Alors, .js et .css, non. Alors après, il y a moyen d'avoir dans son projet un .css global. Donc ça, faut savoir, hein, si vous voulez vraiment faire des styles génériques qui ne soient pas encapsulés, il y a moyen de faire ça via un fichier CSS. Après, dans fichier JS, non, parce que du coup, ça... En fait, vous avez les points JS classiques que vous allez écrire, notamment les stores, et que si vous mélangez les points JS Svelte avec les points JS normal, en fait, Svelte va, le compilateur Svelte va s'en mêler. Et concernant le point HTML, alors, j'ai pas vérifié, mais je crois que dans les anciennes versions, en fait, t'avais pas l'extension point Svelte, t'avais l'extension point HTML. Et je sais pas encore si le compilateur prend en compte ça. Je pense que c'est plus le cas, mais en tout cas, par le passé, il y avait du point HTML, mais maintenant, là, un peu là, j'allais dire là. Enfin, pas forcément la bonne pratique, mais la pratique, si on fait du Svelte, c'est créer ses composants au point Svelte. Ok, on va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Moi, je vais t'en poser une petite. Est-ce que du coup, depuis que là, tu t'es mis à Svelte, tu as eu l'occasion de convaincre un client ou quelque chose comme ça, d'essayer de faire du Svelte dans le cadre professionnel? Non, parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai tout simplement pas eu l'occasion de le faire. Après, oui, c'est vrai que si on me demande un peu mon avis un jour, on me dit t'as techno libre, là je partirai sur Svelte sans hésitation. Petite question un petit peu de l'avocat du diable, qu'est-ce qui ferait que tu choisirais pas Svelte en fait à l'heure actuelle pour un projet, par exemple sur une typologie particulière ou quelque chose comme ça? Alors, j'allais répondre par une question. C'est à peu près les mêmes, je dirais, vu que ça, tu fais la même chose que Angular, Vue et React, c'est les mêmes principes, quoi. C'est Ok, si tu peux moi pas je. partir sur Svelte, tu peux pas partir sur Angular, Vue et React. Il n'y a pas C'est que, différence. si tu veux, ma question, elle était qu'à une époque, alors c'était déjà il y a quelques temps, hein, si tu avais une application avec beaucoup, beaucoup de formulaires, c'était pas très intéressant de partir sur du React qui n'avait pas une très bonne gestion nativement. Donc, c'était. Est-ce que peut-être. Voilà, ma question était un peu orientée du type, est-ce que Svelte avait peut-être un petit point faible ou quelque chose comme ça, quoi. Un petit point faible. Comme quoi, Si t'en vois pas, c'est pas grave, hein. on n'a pas encore de cas d'usage qui. Non, il n'y a même pas trop de cas d'usage. Il y a la question de la scalabilité qui pose. Qui dit bah, à quel moment on va dire que l'application Svelte augmente en termes de poids par rapport à Angular et. Angular, React et compagnie, quoi, à peu près quand est-ce que là, en termes de scalabilité, ça devient, on va dire, compliqué. Et encore une fois, là, il n'y a pas vraiment eu de cas où, enfin, même, enfin, Rich Harris l'a dit qu'il n'y avait pas encore le cas où c'était rencontré. Et que même, en fait, s'il y a un cas qui pose problème, Svelte, vu que c'est un compilateur, il peut s'adapter. Si on se rend compte par exemple que Svelte n'est pas top pour je sais pas pour par exemple certaines animations, certains cas de figure, dans ce cas-là, il peut inclure des nouveaux éléments de syntaxe, de nouveaux sucres syntaxiques, ou même modifier le compilateur pour pouvoir prendre en compte ces nouveaux usages. Ok, En fait, on a. ça apporte aussi une certaine flexibilité, quoi. On a une question de Jean-Sébastien qui nous demande est-ce qu'on peut utiliser Redux avec Svelte? Oui, en fait, tu peux inclure tes propres librairies JavaScript. Après, enfin, j'allais dire, c'est dommage, hein, tu perds un peu le sucre syntaxique, tout ça, mais c'est tout à fait possible d'utiliser Redux. Et même, en fait, avec les stores personnalisés, on peut recréer Redux, hein. Si on crée une fonction dispatch qui appelle ensuite update, par exemple, il est possible de passer par notre réducteur et pouvoir, recréer Redux. Mais oui, tout à fait possible de réutiliser Redux, de même que émotion pour vos styles et compagnie. Vous pouvez inclure des librairies JavaScript, on va dire sans trop de limitations. On a une nouvelle question de Dimitri qui nous demande est-ce qu'on a des libs pour faire des tests unitaires avec Svelte? Alors, j'ai prévu cette question-là parce que je me doutais, mais oui, il y en existe. Bien joué, Dimitri. Non, c'est la question que je m'attendais le plus. Alors, il y a des librairies qui existent. Alors, il y a Svelte Testing Library.
fonctionne alors qui doit fonctionner de la même manière que React Testing Library. En tout cas, du coup, ça existe. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué. On render notre composant et ensuite on interagit dessus. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir pris le temps d'y répondre. Merci de m'avoir invité. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est vous inviter à aller sur les liens Open Feedback qui vous ont été partagés dans les chats et de donner des retours à nos speakers de ce soir. Ça peut vraiment être utile pour qu'ils puissent s'améliorer, ou même ça fait toujours plaisir de s'entendre dire que ce qu'on a fait, c'est plutôt bien. Et c'était le dernier meet-up avant la période estivale. Donc, je pense qu'on on se retrouvera en septembre. On ne sait pas encore sous quel format. On avisera en fonction des différentes annonces qui vont avoir lieu pendant l'été. Et on espère qu'en tout cas, vous avez aimé ces petits meet-up à distance. Voilà. Bonne soirée à tous.